Salut tout le monde, c'est Bouskaman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto sur PS Vita. Donc comment télécharger des films à partir d'un site internet et non par YouTube comme j'avais fait la dernière fois. Donc voilà, vous avez vu, ça s'appelle Streaming for iPhone. Donc vous tapez Streaming 4 iPhone, donc Streaming for iPhone. Le site est déjà sorti depuis assez longtemps maintenant, mais il a fermé en fait suite à une grosse mise à jour de la part du créateur du site en fait. Vous avez plusieurs, vous avez beaucoup de films dessus. Merde. Alors on va mettre un truc. Vous savez que je suis un gros fan de Star Wars, donc on va mettre Star Wars. Et donc vous avez vraiment énormément de films, 3500 environ. Donc voilà, vous voyez qu'il y a vraiment tous les Star Wars. On s'en fout complètement. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, vous tombez sur la page du film. Vous pouvez aussi télécharger des séries. Hein. Je l'ai pas dit, mais vous pouvez télécharger des séries. Moi, je sais que j'ai téléchargé The Walking Dead dessus. Alors, donc, vous voyez, quand vous descendez un petit peu plus dans la page, vous voyez iPhone VRF. Donc c'est pas du sur iPhone, c'est du streaming, et sur PS Vita c'est du téléchargement. De toute façon, vous pouvez pas voir en streaming sur PS Vita, ça vous le téléchargera automatiquement, pardon. Et donc là, ça vous met la nouvelle page s'ouvrira dans une autre fenêtre. Continuez, vous tapez oui, ça va vous remettre ce message, vous retapez oui. Et là, ce qui va être très important, donc c'est d'attendre le chargement. Là, je suis vraiment loin de la box, pardon. Donc ça va être assez long. Redirection en cours, donc faut surtout pas taper sur les trucs comme ça, parce que ça c'est des pubs, et ça vous envoie sur un truc de merde en fait. Ça n'a rien à voir avec le site. Voilà, donc là normalement si vous tombez sur Optobox, c'est que vous avez réussi. Donc, voilà, donc deux fois cliquez sur redirigement de page, je sais pas comment on dit. Donc, là ça fait 500 MB, donc les films ne sont pas vraiment très gros. Là vous entrez le petit message, donc I'm sorry, pour la... C'est la première fois que j'ai un truc avec une... Voilà, hop, tac. Génération du lien, donc voilà, vous faites entrer, ça vous fait automatiquement génération du lien. Là, vous attendez. C'est que vous téléchargez pas le film, vous l'avez... Putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez, voilà, hop, il fallait recliquer. Là, vous cliquez sur sauvegarder. Patientez. Et voilà, ça vous met dans vos barres de tâches, dans la petite bulle. Là, vous pouvez voir. Voilà, c'est vraiment très rapide. On va aller direct dans le film. Donc là, streaming, c'est pas téléchargé. Vous pouvez voir le film comme ça. Et puis, bah, une fois que vous l'avez vu, voilà, il se barre. Donc là, vous voyez que j'ai plutôt pas mal de trucs. On va être Lego Movie, tiens. Donc ça, par contre, ce film-là, il est qualité Blu-ray. Donc on a des films en qualité Blu-ray, d'autres en DVD RIP. Je peux vous dire que c'est vraiment très clean, hein, comme qualité sur PS Vita, ça fait vraiment bien. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo tuto numéro 2 vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, ben je vous en ferai d'autres. Sur ce, moi je vous laisse, portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Ciao, salut tout le monde.